Les filles, à un moment donné, il va falloir que vous imposez le respect dans vos relations. Ça veut dire que si tu vis avec une personne et que cette personne refuse de t'aimer, il doit au moins te respecter. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Il est hors de question que je vis avec toi. Non seulement tu ne m'aimes pas, mais aussi tu ne me respectes pas. Tu fais quoi avec moi? Tu fais quoi avec moi? Toi, tu ne veux pas m'aimer et tu ne veux pas me respecter. Tu fais quoi avec moi? Imposer le respect. D'accord? Vous allez être avec des gens qui passent le temps à vous dire certaines paroles. Les mauvaises paroles. Ils vous dénigrent, ils vous rabaissent. Et quand vous faites la même chose, ils vous font passer pour des folles. Les filles, devenez folles dans leurs mains. Tu me fais passer pour une folle. Je vais être folle devant toi. Parce que si tu vois que je suis folle, c'est parce que tu as vu, hein? Donc je deviens folle devant toi. Ces personnes-là sont fous. Il y a beaucoup de psychopathes, il y a beaucoup de malades mentaux. C'est des personnes qui ont vécu des traumatismes. C'est des personnes qui sont instables psychologiquement parlant. Ils rentrent dans la vie des femmes et ils font souffrir ces femmes-là. C'est des personnes qui n'ont pas de sentiments, non seulement pour eux, mais pour aussi les personnes avec qui ils vivent. Le temps que tu restes avec lui et que tu acceptes que cette personne continue de te traiter comme il te traite là, ma chérie, il arrivera un moment où tu seras vraiment folle. Donc impose le respect. Tu mérites le bonheur. Tu mérites mieux qu'une personne qui ne t'atteint pas à la cheville. Le jour où le voile de l'amour va quitter dans tes yeux, tu vas voir en fait que cette personne-là, il ne vaut rien et il ne sert à rien. Tu mérites mieux que ça. On impose le respect. Si quelqu'un te traite de folle, on devient folle dans ses mains. Dans la maison, on devient folle. Comme ça, il saura prendre ses décisions et il va partir. Dans le cas contraire, il va te respecter. D'accord ?